C'est un événement pour tous ses fans. Lady Gaga a dévoilé des extraits du clip de son nouveau titre, Hold My Hand, qui n'est autre que la bande originale du film Top Gun Maverick. La suite de Top Gun avec Tom Cruise sortira le 25 mai. Ce n'est pas sa première chanson de film. Shallow, en 2018, était devenu un tube planétaire. Camille Baron. Drapée dans un parachute sur une piste d'atterrissage, plaque militaire autour du cou, Lady Gaga dévoile les premières images de la bande originale du nouveau Top Gun. Le clip est signé Joseph Kosinski, le réalisateur du film. Hold My Hand, Tiens ma main, un titre que la chanteuse a écrit sur plusieurs années, adressé à ceux qui se sentent seuls. Cette chanson est une lettre d'amour au monde, pendant et après une période très difficile. Un message que veut aussi faire passer Tom Cruise. 36 ans après le premier film, l'acteur enfile à nouveau sa célèbre tenue de pilote. Il y a une sincérité dans le film et son cœur est de parler aux gens. En 1986, la bande originale du premier Top Gun est interprétée par le groupe américain Berlin. Le morceau est récompensé d'un Oscar de la meilleure chanson originale. Le titre de Lady Gaga est lui aussi pressenti pour être nommé. Elle est le parfait mariage entre une actrice qui chante et qui chante très très bien et aussi beaucoup de succès, ce que recherchent les Américains. On sait désormais que depuis les années 80, si on veut qu'un film ait une belle promotion, s'il y a une très bonne bande son, ça fonctionne pas mal. La chanteuse avait déjà remporté la statuette en 2019 pour le titre Shallow, la bande originale du film A Star Is Born avec Bradley Cooper. Une complicité déjà retrouvée avec Tom Cruise. L'acteur sera présent à Cannes le 18 mai pour l'avant-première du film, avant une sortie en salle le 25 mai. Voilà, c'est la fin de cette édition.